Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et on se retrouve. On a fini qu'on a détruit, on a attrapé, je ne sais pas comment on le dit, juste avant dans l'épisode précédent, la patronne de l'hôtel. Et là, je pense qu'on va se diriger enfin vers le roi Bou. Alors, Mario a été libéré et il est parti d'un seul coup. Donc, on va le suivre. On va aller voir où il va, où il nous emmène. Je suis un peu, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas où on va aller. Alors, est-ce que tu es prêt, mon garçon? Eh ben oui. Très bien. Je n'ai plus de conseils à te prodiguer. Je te souhaite bonne chance. Tu en auras un. Que quoi? Waouh. Oh non, non. Ok. Bon, on nous laisse là-dessus. C'est un peu bizarre, mais soit. Hein. Il y a peut-être quoi que j'ai pas besoin de cœur là, mais bon, j'arrive pas de toute façon à foutre une ventouse sur le machin. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Oh, putain. Mais il a la méga pêche, Mario là. Oh, vous avez vu l'ombre derrière? D'ailleurs, on se demande limite si c'est pas un piège ici. Est-ce que c'est le vrai Mario d'ailleurs? Parce que c'est un peu bizarre quand même où il nous emmène. Ouais, lui, il pète la forme. Hein. Un peu bizarre. Moi, je suis un peu moins confiant. D'accord. Il est passé où l'autre là? C'est pas le tableau. Ah si, c'est Peach qui est sur le tableau. Ok. Donc là, on est sur le toit de l'hôtel, ou presque en tous les cas. Ouais. Ok, je suis pas sûr d'y arriver. Mais je peux pas monter en fait. Il y a peut-être un autre endroit pour grimper. Ah là, il manque aussi un barreau. Faut que je rentre dans la bouche. En même temps, ça poussait peut-être. Quoi, je sais pas si quand on est arrivé, on voyait la tête comme ça. Mais j'allais dire. Ouais, d'accord, ok, je peux pas rentrer. J'allais dire, si tu vois le roi Bou en gros au-dessus de l'hôtel, tu peux peut-être te poser des questions. Quant au fait qu'il y ait peut-être, je sais pas, un petit risque, un petit truc qui je peux pas monter là? Ah si. Talking Global GG niveau 19 pour toi. Alors, ben, Peach. Come on. Je ne pense pas que c'était aussi simple que ce que à quoi ça ressemble. Voilà. Mouahaha, je t'aurais jamais cru assez inconscient pour venir m'affronter. Tu aurais mieux fait de t'enfuir quand tu en avais encore l'occasion. Au lieu de cela, tu es venu jusqu'ici pour te battre avec moi. C'est vraiment stupide de ta part. Certes, tu as réussi à aspirer tous les fantômes de l'hôtel grâce aux inventions de ce scientifique de malheur. Slurp, slurp, slurp. Bref, autant te prévenir tout de suite, avec moi, ça ne va pas se passer comme ça.
Quant à cette Ambre Bruscade, elle a laissé tous tes amis filer. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me met en colère. Tous ces fantômes, des minables, sans aucune exception. Comme d'habitude, il va falloir que je fasse le sale boulot. Et j'en ai plus qu'assez, moi, du sale boulot. Je te préviens, Luigi, je serai impitoyable. Vos manœuvres, vos ruses, vos tactiques, c'est terminé tout ça avec le roi. Bouh! Vous allez tous vous retrouver dans le même tableau, considérez cela comme une réunion de famille. Ah, il a carrément été choper le labo du professeur. Moi, ça vous fera les pieds. Allez, à ton tour, ça complétera le tableau. Désolé de t'avoir fait attendre, alors, es-tu prêt? Bah, peu importe. Ok. Merci le toutou de m'avoir sauvé. Et ça recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a un souci là. Je devrais en avoir 7. Luigi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors là, c'est vraiment le pompon. Je ne peux plus t'encadrer. Tu veux m'affronter? Alors vas-y, Luigi. Ton aventure s'arrête ici et maintenant. Pourquoi je sens que ça va être désagréable? Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il me fait là? D'accord. Donc ça veut dire quand il fait ça, il faut que je saute. Des boulettes de viande épicées, très très épicées. Ouais. Ah, ça c'est intéressant par contre. C'est ça, je peux les renvoyer. D'accord. Ok. Ah, il va me falloir, je crois, mon alter ego. Coucou, mademoiselle Jazz Girl, bienvenue pour le grand final. Allez, reviens là, toi. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ben voilà, ça suffisait pas un, maintenant on en a deux. Hop, allez sur du vert. Qu'est-ce qu'ils vont me faire là? Putain. Encore plus de boulettes de viande épicée. On ne bouge pas. Là, je suis qu'à 56% des cœurs. Pas ouf. C'est dégueulasse. Oh! Je viens de me faire lécher par le roi Bou. Ah, et puis je suis qu'à 39% là. Qu'est-ce qu'ils vont me faire eux? Eh bien là, toi. Oula, oula, oula.
fait, tu vois, il y en a, parce que comme on va pas se cacher, hein, ça vise pratiquement automatiquement quand je suis dans la bonne direction. Il doit y en avoir un vrai et un faux. Et si je tire pas sur le bon avec la bombe, il doit pas pouvoir le bouffer. Ah, le truc de la langue là, non. Ah mince. C'est les cousins de Spectrum, ouais, c'est ça. Hop là, on passe en dessous. Ah. J'aurais bien envie de quelques petits cœurs, s'il vous plaît. Mais comment je peux leur faire... Oh putain... Ouais! Non! Bon, ok, bah je suis bon pour la réanimation. Ouais, je vous jure, là, c'est, ça, les... en fait, ça a été presque facile sur tout le jeu, et c'est les deux boss finaux qui sont un peu hardcore. Mais j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de leur envoyer la bombe. C'est très sympathique cette petite icône Jazz Girl. Je meurs, c'est pas de ma faute, hein. Non, c'était pas le bon. Voilà, c'était lui. On se pousse. Aïe. Un petit peu violent. C'est quoi ça? D'accord, ok, bon. Allez, ouvrez la bouche. Ah, les boulets. Oh! Aïe! Allez, hop.
Ouais, donc j'ai pas tué le bon, je pense. Ah. Genre... Ah non, j'ai pas fini, c'est vrai. Allez, viens là, toi. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il va faire quoi? Il va être trois, ils vont être trois. Après, ils vont être 15, ça va se passer comment? Ok. Ouais, genre, j'ai absorbé tout l'hôtel, quoi. Ah ouais, quand même. Bon. Bien joué, merci. Mais je crois que c'est pas fini, hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Non. Et ben voilà. J'avais raison, ils sont trois. Oh, vite. Tellement prévoir que c'était à l'autre bout. On dirait la maison des zinzins de l'espace. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Je peux en avoir une ou pas? Non, même pas. Je suis en train de me faire ken. Non, mais. Sérieusement. J'attrape laquelle là? Hein? D'où il y a des boulettes qui vont en diagonale? Les bâtards! Aïe! Ah bah là, je suis à 19%. Ça va être chaud! Dégueulasse! Bon bah je crois que je vais mourir. Oh là. Comment j'ai eu... J'allais dire comment j'ai eu de la chatte, mais en fait pas du tout. Aïe. T'es encore là, Julie? Bah écoute. J'espère qu'il n'y a pas un quatrième qui va arriver, parce que sinon ça va être vraiment l'horreur, quoi. D'accord. Allez, prochain, c'est où? Non, il n'y a pas encore un éclair. Oui, bâtard. Ah, j'ai pas pu esquiver celui-là. Non mais c'est une blague. Non. Comment je me suis gaufré, j'aurais pu leur mettre une là.
Et voilà la petite boulette de feu qui arrive. Voilà, à un moment j'étais obligé de la mettre. Alors, hop, hop, hop. Tu fasses quoi là? Sérieux? Bon, on va espérer qu'on va y arriver surtout. Non, mais non, mais... n'ai même pas le temps. Mais on n'a même pas le temps de jouer quoi. Non, c'est pas évident avec toutes les bombes. Surtout, il faut savoir lequel viser. Non, mais c'est une blague. Il me reste que 3 os dorés. Et si toi. Alors, quand tu veux jouer normalement, quand eux ne jouent pas normalement. Je l'avais mis dans sa bouche, c'est parti à gauche. Mince. Allez, s'il vous plaît, soyez cool. Mourez pour la bonne cause. Mais c'est une blague.
Comment tu veux que je survive à ça? Bon, heureusement qu'on n'est pas obligé de se tous retaper depuis le début à chaque fois qu'on est réanimé, hein. D'accord, je commence avec des bombes sur la gueule, c'est cool. Tiens, hop, dans ta gueule. En plus, c'était pas le bon, c'est ça? Purée. Tiens, hop. Et bah, c'était pas le bon non plus. Ah oui, en plus on est chronométré, c'est vrai. Et le dernier, hop. Merci Jazz Girl pour tes encouragements. De toute façon, j'ai pas trop le choix vu ce qu'il me reste. Aïe. Oh non. Et plus qu'une minute, hein, et après je me fais déchirer. Ah non, pardon, oui, c'est ça, plus qu'une minute. Secondes. Franchement, si je suis sur le fil du rasoir, j'ai de la chance. Et ben non, c'est le seul qui me restait. Je suis deg. Heureux. Mais non, mais. Voilà, ils vont revenir à 3. 8 secondes, mais tu veux que je fasse quoi en 8 secondes, sérieux? Et c'était pas le bon pour changer. Et je suis mort. Et avec un peu de chance, ça va me réanimer à 3 minutes, c'est ça? Bon, si ça me réanime à ces 8 secondes, c'est mort. À 4 minutes quand même. Vous avez vu que je ne pouvais rien faire.
Oui, bah je me suis planté, c'est tout. Allez, hop. Ah, c'est le bon. C'est celui où le diamant brille. J'ai même pas remarqué qu'il y en avait un qui avait le diamant qui brillait. Hein. Mince. Alors là, je vous parle. J'oublie l'élémentaire. Qu'est-ce qu'ils me font là? Allez. Allez. Oh! Ça, c'est un gros caillou. Bah, tu m'étonnes, moi aussi. Phew! GG, merci! Merci, merci. Ah, il faut que j'aille. D'accord, je pensais. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que. D'accord. Est-ce que je vais récupérer mes copains? Ah, pardon, ça c'est ma manette qui est sur mon bureau et qui vibre, mais d'une force. Ah, vive le mode turbo. Bon, il y a bien un truc qui va me sauver. Hein. Je fais confiance au jeu. Tu vas pas me dire je gagne, je finis et je meurs. Bah voilà. Bon, et bah on va aller sortir de là, hein? Ah, ah. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je les ai tous capturés pour qu'ils se cassent. Ils vont nous faire un numéro 4 ou ça se passe comment? Mais non, c'est moi qui ai le diamant, donc c'est moi le boss, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il n'y a plus d'hôtel hanté là. D'accord. Ils vont reconstruire l'hôtel. Il est un peu con-con le rouge. Hein. Ok, et bah voilà le générique. Ah, et on a des petites photos pour voir leur reconstruction. Et bah c'était intéressant hein. Bon, le jeu je crois qu'il a fait moins de 10 heures. On a mis moins de 10 heures et encore parce que je liveais, donc je discutais en même temps avec vous, tout ça, plus les temps de préparation, les machins. Donc je pense qu'en 8 heures il peut être facilement plié. Plus ou moins hein, j'entends. Après je faisais pas non plus un speedrun, mais c'est un jeu sympa et, pas très compliqué, pas trop dur, c'est vrai que par contre, quoi, pas trop dur. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de vie avant quand même la fin. Le reste du temps, c'est gérable si on n'utilise pas beaucoup de vie le long du jeu. Voilà, oui, j'ai pas fait 100% non plus, c'est-à-dire que j'ai pas été chercher les bouts. Il y a plein de trucs, quoi, ouais, voilà. Bon. Après, si vous voulez jouer comme ça, vous le faites une fois et puis vous pouvez retourner dans l'hôtel, j'imagine. Continuer, je sais pas.
Je sais pas comment ça se passe si je recharge cette partie. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux aller rechercher les bouts? Est-ce que je peux aller faire les trucs que j'ai pas été chercher? Compléter les gemmes peut-être? Ça serait bien quand même, parce que ça serait dommage de qu'il faille tout faire avant la fin. Mais le fait étant, c'est que normalement l'hôtel est détruit, donc c'est un peu con. Yo, merci Dermax, merci Jazz Girl, merci tout le monde pour votre GG et vos encouragements. Et ben voilà, hein. Et bien sûr, c'est quelques notes musicales et le générique. Je vais vous remercier et je vais vous inviter à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, et bien sûr, vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et que ça vous permettra d'aller voir des news quand je pose une vidéo sur YouTube. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch pour me suivre et comme ça vous verrez les lives. Et vous pourrez également participer puisque tous les vendredis soirs, je fais un live en commun avec les viewers et on joue ensemble. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour le fait, un nouveau jeu. Ciao!